Je sais qu'il doit y avoir des gens en ligne, des journalistes en ligne qui veulent écouter ce que j'ai à dire. Ils peuvent écouter ce que j'ai à dire parce que maintenant on a déjà terminé le procès et ils ont décidé de m'amener au tribunal. J'ai été au tribunal. Alors pourquoi cet acharnement à écrire des choses qui n'ont pas de sens? Ouais, j'ai jamais compris cette injustice. Ou même la DPJ qui s'intéresse à l'argent, comment est-ce qu'on gère l'argent dans une église? Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de Québec. Alors quand il s'agit de Paul Mukendi, là il faut tout faire. On a été au tribunal, on dirait qu'on veut poser la question chaque fois, la poche de ma femme, la poche de ma femme, la poche de ma femme. Ok, je vais offrir à ma femme une poche lorsque tout ceci finit, au nom de Jésus. Je vais le faire. Amen. Parce que à un moment donné, on dirait que certaines personnes veulent nous faire passer le message que nous, on ne mérite pas conduire une Porsche. On ne mérite pas avoir telle chose ou telle affaire. C'est que j'ai, je ne le vole pas. Amen. Alors, je vais le faire. Je vais, comme on a, ils ont trop prophétisé sur la Porsche, alors je vais retourner à la Porsche. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu vivant. Quand je prêche la parole devant tout le monde. Et on ne mourra pas dans des choses qui sont banal et bizarre, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et on ne pourra jamais me museler pour prêcher la vérité. Non. Je ne cherche pas la faveur des hommes, je cherche la faveur de Dieu. C'est tout ce que je cherche. C'est tout ce que je cherche. La faveur de Dieu. Alléluia. David est en train de dire, même si une armée campait contre moi, je serai sans crainte. Nous sommes dans des pays de droit. Si tu trouves que tu as un problème avec moi, amène-moi au tribunal. Alléluia. Ouais, tu n'es pas le seul qui a une bouche pour parler. Donc si on a des bouches pour parler. Alors, Dieu est fidèle et il est au-dessus de toute chose. Ne vous cassez pas la tête, de fois, il y a des gens qui veulent se casser la tête. Pourquoi? Moi, je ne lis pas d'abord les journaux. Alors, quand les journaux écrivent, ne m'amène pas ça. Ils ont écrit, alors tu commences à t'agiter. Non. Ils écriront. Parce que Paul Mukendi n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Ouais. Amen. Mais vous connaissez qui je suis. Et moi-même, je connais qui je suis. Alléluia. Jésus a posé la question un jour à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Non, les autres disent que tu es ceci. Les autres disent que tu es cela. Les autres disent que... Il dit non, non. Vous. Qui suis-je? Ça s'arrête là. Alléluia. Ça s'arrête là. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu grand qui est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu est réel. Quand nous chantons, nous disons « Seigneur, tu es réel, c'est la vérité. Jésus-Christ est réel. » On a fait toutes sortes de campagnes de salissage. On a tout fait pour me salir, pour détruire tout ce que j'ai bâti comme travail. Écoutez, ils n'ont pas réussi. Alléluia. Ouais, comme elle laisse tranquille, va-t-il l'œuvre de Dieu.